verso rap bataille, troisième volume, on garde le mouvement en marche, comme une rotule. On a un battle entre deux des MCs les plus énergiques. MC à ma droite qui vient de Gatineau, mon hometown. Introduis-toi. Hey yo, c'est ton boy César qui est Bruno Bars. Bars! Et Jerry Bullets. Bullets! Et Patrick Roth. Roth! Montréal fait du bruit. Roth! Hey yo, VRB, si vous voulez que je pète la gueule, dites Word up! Word up! Yes, et à ma droite, le gagnant du verso rap bataille Refresh. Ben non, je t'aime! Introduis-toi. Aussi, je t'aime Bouchard. Maître Renard, c'est le nom. Cheese Snatcher, c'est la profession. Shout-out à Matin Planet Family. Shout-out les fous. Let's go! Yes! Yes! C'est César qui a gagné le coin de toss et qui a choisi de commencer. Quand je dis verso, vous dites rap bataille. Verso! Hold it down! Regarde ça va, man. Check ça, ça va être propre. Papier de toilette, beurre et de marde comme hors d'œuvre. Il faut que tu cours. Une cuvette pleine, c'est ma soupe du jour. Longue grotte, vomisseur, reflux gastrique. J'espère que tu vas aimer ton repas de trois services. Est-ce que je peux remplir ton verre de pisse? Aucune étoile à mon restaurant. T'as des morceaux d'excréments de poignée quand je me torche avec ta barbe. C'est un shit show. Si je te fesse, tu vas péter en marde! Yo! Si je te fesse, tu vas péter en marde! Shit show! Yo! Si je te fesse, tu vas péter en marde! Fibre! Yo! Fibre et poutine mal digérée! J'ai écrit ça assis sur la bolle! En grosse sueur! Ça voulait pas sortir de mon cul! Après, je te chie sur la tête! Tu cries arrête! J'suis comme ok, psych! J'continue! Si tu penses que la mort va revoler, t'as pas idée. J'ai mal mangé toute la semaine, j'ai du flou en quantité. C'est ton mort, est-ce que tu je vais péter dans un sac pour t'étouffer avec, tu meurs asphyxié! Oh! La pire odeur jamais catégorisée. C'est le retour du casse-croûte version caca améliorée. du mépris et un bull real shit. Tes textes me font penser à un lendemain de repas mexicain. Des débris pis beaucoup de liquide. Tu dis ben de la marde, mais c'est de la bonne marde. J'suis d'accord. Moi, ma marde, c'est de l'or. J'en ai ras le bol. Tu fais chronique, fais la chiasse. J'vais shoot le renard. J'vais tirer la chasse. All right. Maître Renard, it's on you. Hey yo! Verso! J'ai une Volvo grise magique! What? Pis elle a ben du torque! Elle vient blue, c'est sick quand je la ride pour aller faire face aux orques! Au Québec, le battle rap, c'est les mines de la Moria! Un bunch of goblins que je laisse stress out et dois jaunir parler du morier. Ouais, je vous trouve toutes dégueulasses. Beau et narrow, je vais vous one-shot comme si j'étais légolasse. Hey, ça s'est passé. T'as raison, mon gars. Monsieur le président, t'es un esti de paysan. I don't give a fuck de ton parcours dans le rap, mon cave. Te pick up le match-up, regarde-moi déjouer tes traps, tu vas aller te brosser à la cage. Je suis un mic pour un rookie, t'es mieux de watch out. M'en viens kicker des nuts, mon gars. Tu vas sur ma. Je m'en viens kicker des nuts, mon gars. Tu vas être black comme un drop pis sur ma blackout. Où c'est que je m'en vais avec ça? Ouais. Blanc, noir, comme tes textes mauvais, un peu de couleur arrive jamais. Je suis un démon, la douleur, ça me connaît. Pour me vaincre, tu vas avoir besoin de tout tes chapelets. Parce que je t'ai éliminé comme Cartier puis Champlain. Oh! Tu sonnes comme Damien. Tu sonnes comme Damien sur ses 100 chagrins. Que je m'en viens de faire ma gueule comme dans un Chaplin. J'ai une légende au bout de mon bat. Fuck lui puis tous ses cats. Je suis venu tuer combien de chats? Plein! Le deuxième round! C'est ça! Fuck it! Avec un nom de même, tu vas mettre ta blonde dans la marde. I mean, tu l'appelles comment? Maîtresse Renarde? Ta queue, elle a pas toujours le goût de la prendre. À chaque fois qu'elle te suce, ça finit avec du poil rouge, ça a l'air. Écoute,
T'es pas une Star Fox, ni Fouki. Un renard qui parle à un chien, ça c'est Roxy Rookie! Oh! Facile! Fusil à ton mariage, je vais sortir les cannes de noces bien vite et ceci devient une course. Fox Racing, à quoi tu joues? T'es pas sain d'esprit? Le 07 c'est pas ton hood, tu viens de Saint-Rémy! C'est du real shit, Frédéric, faut me croire. MC of the Night, ça c'était l'autre soir qu'on m'attend de choses, genre. Le monde se demande comment je me débarque de même. Le game riait de moi, je les slap, j'ai laissé ma marque de main. Je suis un fan de game, de gangster rap, d'un certain rappeur qui vient de Saint-Eustache. Encore connecté avec ceux que j'ai fait les ponts. J'ai des écrits de feu comme si c'était Satan qui tenait le crayon. Je suis sick, un ostine mental. Je sais ce qu'il faut pour te bar out jusqu'à ce qu'une ligne horizontale définisse tes signes vitaux. What the hell and back? Pis je suis mad. Les speakers gèlent parce que ma musique est froide. Souvent, on me demande ce que je ferais à leur place. Ça pense que c'est des hommes jusqu'au jour où ils en ont un vrai dans leur face. Le deuxième round, ma suite. Maître Renard, it's on you. C'est lui. César! T'es pas un big dog, t'es un hostie de chat. Quand la marde pointe, c'est dans la litière, tu fais ça. Avec big dogs, la marde vole. Y'aura jamais assez de poop bag. Entre chiens, on se tient, chacun son vol. Mais on mange tous à la même table. On mange tout, même les os. Jamais besoin de doggy bag. Je me bouffe un trio. Pas besoin de body bag. On va manger le corps, calice. On suit, gang. Let's go. Il faut que je te dise, mon cher, les shit cheesy street de fusil imaginaire, mais c'est facile à faire. Check ça. Mon peace! C'est pas un revolver qui fait tch-tch-tch. Mon peace! C'est un camembert. Quand je squeeze, il fait squeak, squeak! Ha! Ça va être la guerre. Je suis venu te percer comme un gruyère la rivière. Tu vas sortir ça, civière, parce que je te nostie. Sphère avec les mentales! Les fous sont marteaux, tu ressens le martèlement! C'est le seul Julien que je trouve dope, mais il y a une craque dedans! Fuck ton marmement! Je suis venu de pin slap, bitch, pas avec du talc, mais du parmesan! Ah! Cheesy like that, mon tabarnak! T'sais, les fous! Vous avez invité à votre dîner de con, mais finalement, on était dope. Ballon après ballon, on a fait valoir notre point comme un couteau d'un goat. Puis là, je m'en sers pour ouvrir un supposé goat. Ouais! Pendant que sur nous, vous avez catch disease, mais j'ai snatch votre cheese. Là, j'suis en train de grab ton seat. So now, s'il te plaît, dis-le-moi, Cease. Donc, time. La réplique! Cisa, it's on you! VDR. Vie de renard. Ça, c'est Rhymes. Pis je pense pas qu'il approuve quand tu t'habilles de même. Fucking chapeau de pêche! Ou l'album à Karim Ouellet. Je mentionne ses grands noms, pas pour te comparer avec. C'est juste que dans le game, t'es la version la plus lame d'un renard au Québec. Je suis innovateur quand je kill un rappeur. Je vise au nombril avec une carabine fucking longue, ça a l'air d'un tuyau de plomberie. Tu vas faire super smash, bro! À quoi tu penses? Tu vas te faire. Tu vas te frustrer contre la game, comme dans le temps que je laissais pas de chance à mon petit frère. Je me sers de toi... Yeah! Je me sers de toi comme ma pas pour get plus gros, c'est rien d'impossible. Je vais à la pêche avec un verre habillé en cosmonaute. Ça, c'est Earthworm Jim. Pendant ton ascension, j'ai bousculé. 6 dans chaque main, comme si j'avais 2 doigts de plus, c'est des 12 coupés. J'ai une job à faire. Je rentre chez vous. Crache à terre. Bonne manière. Bot de ta mère avec mes bottes d'hiver! Après, je la bitch slap avec un six-pack de bière! Elle me répond: arrête! Mon fils fait du jujitsu! Je suis comme ok. Cesse! Je continue! J'ai juté dessus. Arrête!
Troisième round, Maître Renard, c'est ton tour. Let's go, commencez là. Hey, Seize! Snap! Hey, Seize! Oui? C'est ce qui rime avec tes laits. Quoi? C'est vrai! Les faits avec les fous! Fini, niaiserie. C'est pas bon. OK, fini, niaiserie. J'ai le main invincible, je colle personne, mes cibles. Mais sire, une flèche trois rangs, je touche toujours mes cibles. Mais si, même d'ici sur sa tête, je vais de ma vessie. Je marque mon territoire sur le 07, je m'approprie la mairie. Tu sais que t'as jamais blow up, fait que là t'es salté. Dans le crockpot assise, j'ai plus rien que tasty. Tu te prends pour une chef, fait que je te passe dessus en cheville. Je suis un guerrier des prairies. Toute ma vie, j'étais ready. C'est avec ma hache, je l'aurais dit. J'ai tout sali. Ça se splash. Je t'attends, caresse saisie. Je le kick comme Messi. Je suis un monstre comme Nessie. Je te renvoie dans le 07. Fucking Messi. Parce que je suis en train de marcher sur la rivière comme si j'étais fucking Messi. Oh! Ok. Je me get un autre win, c'est pas si plate. Mais juste pour être sûr, ces espoirs, j'y éclate. Avec le kick du spartiate, pour qu'il tombe dans le fosse au pieu pis qu'il guette de pointe. Porte les piques d'en face pour qu'il guette de pointe. Shot les piques d'en face pour qu'il guette mon point. J'ai les épices en face pour que le snack soit à point. Fentanyl dans la kétamine du gaz pour que je le kill avec plus qu'un point. C'est un battle divertissant. Siza gagne ça pour moi 3-0. Premier round, pipi caca, je l'ai moins aimé, là, son premier round. Mais ça a été inspiré par le casse-croûte, à ce que j'ai pu voir dans ce qu'il dit. Mais still, c'était son moins bon round. Il prend quand même à cause de son aisance. Il y a une prestance. Il y a quand même évidemment plus de punch que l'autre. L'autre, il est. Je trouve qu'il a l'air d'un gaillard, là, tu sais. Il a l'air d'un solide. Mais ses rimes, ses lyrics, c'est moins peaufiné. Tu vois qu'il y a moins d'expérience devant public et moins d'expérience sur le crayon aussi. Fait que c'est la raison pour laquelle il parle les trois rounds. Mais il y a quelque chose à faire, là. Continue à travailler tes trucs, man. Puis ça va se donner. Mais Siza. L'expérience et les punchs et pas mal tout ce qu'un ballon a besoin d'avoir pour être bon, il l'avait plus que l'autre. So, tu as ça, mon gars. Merci, sauce. C'était un bon ballon dans l'ensemble. J'ai donné un petit edge à Siza. Par contre, je trouvais que ses rounds étaient un petit peu courts, mais dans l'overall, plus de punch, plus de technique. J'irai pas round par round. Maître Renard a bien fait, mais je trouvais qu'il y avait un peu trop de up and down. Une fois de temps en temps, un bon punch. Après ça, comme des patterns qui finissaient pas, un peu plus long. Ouais, c'est ça. Battle quand même très serré. Dans l'ensemble, moi, j'ai un petit problème, par exemple, avec la façon que les deux gars avaient un style qui se ressemblait un peu. C'est qu'ils crient beaucoup leur fin de phrase pour mettre plus d'emphase sur un punch qui est pas nécessairement super puissant. C'est comme si à chaque fois, c'était le punch le plus fort. Mais en bout de ligne, c'est vraiment pas tous les punchs qui étaient puissants à ce point-là. Fait que je trouvais que des fois, ça criait un peu pour rien. Ça levait le ton pour rien, puis tout ça. Dans l'ensemble, c'était un bon battle, mais j'étais allé avec un edge pour Siza. Battle quand même très serré, deux gars un peu dans le même style. Siza, plus de technique, plus de multi, plus de punch. Mais bon battle, guys. Yes, peace. What up, Versos.tv, you know. Doing a big shout à Parker One, shout à toute l'équipe. We out here, baby. On est ici pour juger le battle de Siza puis Maître Renard. Sur ce battle-là, ben, dans l'ensemble, puis non, je l'ai donné à Siza. Moi, le vote est allé à M. 07 for this one. Premier round, quand même beaucoup de trucs dégueulasses, là, de la part de Siza. Des trucs quand même fly, là. Tu sais, c'était comme genre de restaurant crade, là, qui sort des excréments, shit like that. I mean, I fucks with it to a certain extent, mais c'était spécial. Bon, il y a quand même, on a été blessed avec quelques psych. Je continue dans le battle, là, notamment je pense dans le 1, dans le 3e. Ça, j'aime bien, un genre de catchphrase de battle rapper. C'est tout le temps bien reçu, ça, quand que ça pogne.
Puis ça a bien fini, par exemple. J'ai quasiment l'impression que le premier round de Seas a culminé, ça se dit-tu, ça culminé, en tout cas, avec quelque chose genre. Genre, tirer le renard, j'ai tiré la chasse. Une affaire, j'ai shooté le renard, j'ai tiré la chasse, genre d'allusion à ces affaires de toilette qu'elle a faites le long. Ça, je trouvais ça fort, pareil, c'est intéressant. Pour le premier, je pense que Renard avait un petit stombo. Là, il faut que vous nous excusez, hein, parce qu'on des fois, on juge ces battles-là des heures après là, qu'on rend notre verdict. Sur... Siza, il y a eu un stombo. Siza, il y en a eu un, je pense, dans le first premier, aussi. Ouais, merci de me rafraîchir la mémoire là-dessus. Puis je pense que, ouais, c'est ça, Siza a eu le stombo dans le premier. Tandis que, ouais, non, je pense que Renard en a pas eu, mais je pense qu'il a cut son round un petit peu chaud. Il y a un crise de bon pattern de fromage, par exemple, quelque chose de genre j'étais un brise-fer avec les mentales, quelque chose. Ouais, je trouvais ça bon, ça. Ça, c'était fly. Par contre, je l'ai donné à Siza, le deuxième. Je pense qu'encore une fois, comme le verdict. Non, en fait, le premier, j'ai donné à Renard, puis les deux derniers, j'ai donné à Siza. Je sais pas si le breakdown est si important là, pour le troisième, à ce point. Mais il y avait une affaire qui était nice avec Super Smash Bros, avec genre une affaire de tuyau de plomberie. Je me souviens pas exactement ce wordplay de la part de Siza. Tu sais, ce qui rime avec tes laits, c'est vrai, Maître Renard. Très efficace, très facile. La simplicité, des fois, is key. Il y avait des pas pires de MMPs aussi avec Messi. Tu sais, c'était pas pire, là. Dans l'ensemble, en tout cas, you know, shout to Monsieur 07, he took this one. Maître Renard, bien joué, man. Newcomer dans la ligue, you know. Quelqu'un qui showing some promise. So respect to both, keep doing your thing, man, you know. Peace. Donc, les trois juges ont donné le win à Siza. Yeah!